Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai la grosse banane parce que là derrière moi, on a le Hengui L20. Vous allez voir qu'on est sur un beau fat bike, cadre bien ouvert. J'ai pris le coloris blanc mais il y a trois coloris disponibles. De toute façon dans cette vidéo, encore une fois, on va tout voir. Dans un premier temps, on déballe et on regarde ce qu'on a dans le carton. Comme d'habitude, je sors le véhicule du carton et on regarde dans quel état je l'ai reçu, le degré de finition. On fait le tour de toutes ses spécificités, histoire que ce L20 n'ait aucun secret pour vous. Et puis après, j'emmène le bike rider pour tester son accélération, son confort, son freinage, pour voir un petit peu sa puissance et ce que nous propose Hengui dans ce L20. Puis à la fin, petit bilan total des plus et des moins de la machine qui est là derrière moi. Mais avant que la vidéo ne commence, il y a un truc super important, les amis, à faire. On est déjà plus de 70 000, mais plus on est de fous, plus on rit, mais surtout plus on est de fous, plus on aura d'exclusivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez, les amis, s'il vous plaît, foncer vous abonner, activer la petite cloche. Et moi, j'envoie le très court générique et je vous reprends juste après. Allez, j'ouvre mon carton. À l'intérieur de celui-ci, mon vélo est très très bien calé. Et dans ce dernier, j'ai un autre carton. Ce carton renferme la notice complètement en anglais, mais très complète avec pas mal d'images qui vous aident à monter le vélo, qui vous aident à comprendre les différents codes erreurs, les différents réglages qu'on peut avoir sur le display. Bref, c'est assez complet, c'est bien fait. J'ai aussi un jeu de pédales et une trousse à outils. Cette trousse à outils renferme les outils basiques qui vous permettent simplement de monter le vélo. Il y a des petits riselants, ce sera pour caler les fils. Et on a aussi un chargeur en 54,6 volts et en 2 ampères. Ça veut dire que là derrière, on a un vélo qui tourne en 48 volts. Et le chargeur, il est plutôt quali. Hein. Franchement, on voit que depuis un petit moment, on commence à déballer des chargeurs mieux finis que ce qu'on avait l'année dernière. Et on va trouver aussi bien emballé dans le carton ce gros porte-paquet qu'on va placer à l'avant du vélo pour charger les tomates, les courses. Bref, allez, on regarde dans le carton, on déballe. Non, allez, je vous fais disparaître le carton. Et du coup, sorti de son carton, le L20, ça donne ça. Et franchement, le look est très très réussi. C'est vraiment super sympa. Moi, j'aime bien le côté fat bike, un petit peu long tail. Pourquoi je dis long tail? Eh bien, regardez, on a un bon gros porte-paquet sur la partie arrière. Du coup, eh bien, si on veut rajouter un siège à l'arrière avec des repose-pieds, eh bien, ça posera aucun souci. On va même pouvoir mettre une petite poignée derrière la selle. Ça va être top. À l'avant, on va avoir de quoi charger. On peut aussi rajouter des sacoches. Hein. On voit bien qu'on a largement de quoi se fixer. Donc, tout ça, pour ceux qui sont partis pour balader, charger comme des mules ou pas, eh bien, ça va le faire sans aucun problème. Allez, on parle spécificité parce que ce bike, eh bien, il renferme pas mal de trucs bien sympas. On est déjà sur des bons gros pneus fat bike, 20 pouces, 4 de large. Ça se gonfle jusqu'à 1,4 bar, c'est marqué dessus. En vrai, moi, je suis déjà monté jusque 2 bars. Après, ça pète, n'essayez pas, c'est pas la peine. Mais monter en pression, ça peut permettre d'avoir une belle autonomie sur des longs rides. Par contre, eh bien, tout de suite, ça va prendre en confort. Par contre, en confort, on devrait être bien quand même, puisqu'on est sur une fourche suspendue no name, qu'on peut bloquer quand on est sur des routes bien propres. On a un garde-boue à l'avant, on a aussi un garde-boue à l'arrière. À l'avant, il est tenu sur 3 points. À l'arrière, il est tenu sur 4. Et quand on descend ici, niveau transmission, on va avoir 7 vitesses guidées par un dérailleur tourné. D'ailleurs, il est commandé par un 6 index Shimano également. Et regardez, ça va tout seul, hein. C'est du shift. C'est ultra efficace, on connaît bien ce système, c'est pas sportif, mais ça fonctionne parfaitement pour ce type de bike. Dans le boyau arrière, on enferme un moteur de 250 watts, capable en pic d'en délivrer 500, ça tourne en 48 volts, ça devrait être pas mal. En plus, on est alimenté par une batterie ici, 48 volts également, 13 ampères. Cette dernière, elle est amovible par clé, c'est-à-dire que là, je l'ai mis en charge, vous voyez le connectique de charge. Je fais un petit tour de clé sur le côté et enfin, la batterie. Je peux l'emmener. Ça permet quand on laisse le vélo ou qu'on doit le porter de l'alléger ou de le rendre avec beaucoup moins de valeur quand on veut le stationner par exemple. Cette batterie, vous pouvez la charger directement sur le vélo ou en dehors. D'ailleurs pour l'allumage ça va se passer ici, on a un petit bouton sur le haut du display et on a deux boutons en dessous pour pouvoir monter les modes de roulage et les descendre. Alors le débridage, j'appuie sur le bouton plus et le bouton moins simultanément pendant quelques secondes. Ensuite, j'appuie sur le bouton plus pour aller chercher le P3.
Pour descendre dans le P3, je clique une fois sur le bouton d'allumage. Et là, avec le bouton moins et le bouton plus, eh bien, je vais pouvoir choisir la vitesse max que je veux. Si vous roulez sur les routes ouvertes, il faut le bloquer à 25 km/h max. Et pour le valider, vous appuyez sur le bouton d'allumage pendant plusieurs secondes et ça valide le débridage. On va continuer avec le système de freinage. À l'avant, eh bien, on a un disque en 160 mm avec un étrier monopiston. On a d'ailleurs le même système ici dans la roue arrière. D'ailleurs, au passage, je vous laisse voir la béquille bien large, bien propre. Ce que je voudrais vous montrer également, c'est le feu arrière qui est juste magnifique, qui est alimenté par la batterie et qui renferme un petit feu stop. Pour l'allumage des lumières, c'est pas compliqué, hein. Vous appuyez longtemps sur le bouton plus. Et là, on voit qu'à l'avant, eh bien, on a aussi un très bon feu, bien puissant, alimenté par la batterie du vélo. En tout cas, c'est une très belle proposition, full équipée. On va pouvoir le charger. On a le gros porte-paquet à l'arrière. On a des garde-boue, une batterie amovible, un truc bien confort avec un très beau style. En plus, il est débridable. Un bon gros fat bike, quoi. Le petit truc aussi, c'est qu'ici, on va avoir un accélérateur. Pour l'instant, il est désactivé. De toute façon, c'est interdit sur les routes françaises. Si je vous le trouve, la solution pendant le test, eh bien, je vous la partagerai. Sinon, je vous fais un short dès que je l'ai. Ce vélo, il existe en rouge rose, en noir et en blanc. Du coup, on a assez papoté. On passe en extérieur pour son test roulage. Oh, 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 le test extérieur est juste hallucinant. Honnêtement, on nous annonce 250 watts. Et c'est le plus puissant des 250 watts que j'ai jamais essayé. On va faire un petit test 0,25 km/h, vous allez vite comprendre. Je suis à l'arrêt. C'est parti. Hop, démarrage du moteur. Et me voilà à 25 km/h. Et si je vous dis qu'il en a sous le capot, ce qu'on va faire tout de suite, test puissance, quoi de mieux qu'une belle montée. Je suis face à une rampe de parking d'environ 2,5 étages. Top accélération à zéro, le moteur s'enclenche et ça grimpe. Je suis déjà à 20 km/h, j'ai une vraie bonne poussée. J'étais à 16-18 km/h dans la montée. Truc important, c'est que plus je les sens puissants, plus je démarre au pied de la montée. C'est-à-dire qu'il y a des vélos d'habitude en 250 watts, je prends 15-20 mètres d'élan et on regarde ce que ça donne quand on arrive dans la montée. Là, je suis parti à 0 km/h au pied de la montée. 18 km/h, je vous dis, pour un 250 watts, c'est assez remarquable. Il a une très très bonne puissance. Eh bien, on va les lancer à 25 km/h. Pour un test freinage, il y a une petite ligne, ça tombe bien. Oh, oh, oh. Allez, verdict. On a 1, 2, 3 mètres avec des freins tout neufs. Hop, j'avais roue avant sur la ligne quand j'ai freiné et j'ai 3 mètres tout pile. Avec des freins à disque mécanique, c'est un système par câble. Qui est tout neuf, qui n'est pas encore rodé, ça veut dire quoi? Qu'on va descendre aux alentours des 2,50 m. Ça veut dire quoi? Qu'il y en a assez pour rouler à 25 km/h. C'est sûr que pour un bike qui est débridable avec une VMAX aux alentours des 42 km/h compteur, GPS, je vous l'affiche ici, c'est vrai qu'avec des freins hydrauliques, on n'aurait pas été plus mal. En tout cas, la partie cadre est confortable. Je suis presque un petit peu trop confort, un petit peu trop sur l'avant. Quand on roule en mode complètement débridé, comme on n'appuie pas sur les pédales, on n'a plus que le cul posé sur la selle et faut faire semblant de pédaler à ce moment-là. Voilà. En vrai, on est très bien et très confort jusque 30-35. Donc brider le vélo à 30-35 pourrait être une bonne solution alternative pour garder du confort et une vraie vitesse. Par contre, il n'y a pas du tout de jeu au niveau de la fourche, au niveau du cadre. On n'a rien qui bouge, les câbles sont tous bien placés. Au niveau de la transmission, ça passe très bien. Franchement, même quand on fait le bourrin, on la connaît, hein, la tournée. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser regarder là. Un petit changement de vitesse avec le son, comme ça vous voyez le dérailleur travailler. On voit bien, hein, que ce soit pour monter ou descendre sur la cassette, ça ne pose aucun problème. Et petit check aussi au niveau de ce qu'on voit quand on est là assis sur le bike. Eh bien, on a un très bon visuel sur le display, bien lisible. Il est en monochrome, mais franchement, je trouve ça sympa. Le petit panier devant, le petit garde-boue, le petit lock qu'on peut tourner si on veut verrouiller la fourche. D'ailleurs, la fourche, elle est jamais surexploitée. Hein. On sent bien qu'elle fait son taf dans toutes circonstances. C'est pas une fourche de compétition, mais elle amène un réel confort. C'est important, le taux de réactivité du moteur, c'est-à-dire combien de temps pendant le tour de pédale pour s'enclencher. Regardez. Tac, pile poil, un demi-tour de pédale. Et clairement, pour un vélo fat bike mode détente, il y en a largement assez.
Bien entendu, j'ai emmené le bike à faire un petit tour dans les chemins. Et clairement, qu'on soit dans l'herbe, regardez. Et écoutez. Souvent, les oreilles, ça parle bien. On entend bien qu'il n'y a rien qui claque. Alors là, c'est bien gras. Ici, ça monte. Vélo super réactif. En mode clairement détente. Hein. Ça m'arrive quand on est sur ce chemin-là de prendre à gauche et d'aller faire du tout-terrain. C'est pas un vélo de tout-terrain, donc on va pas y aller. Je suis vraiment assis sur le cul. D'ailleurs, la selle, elle est bien épaisse. On a bien le cul posé. On est pas mal du tout. Ah oui, je vais vous parler de l'autonomie. D'ailleurs, là, j'ai parcouru une vingtaine de kilomètres en mode normal. Hein. J'ai eu la chance de faire le petit test accélération. D'ailleurs, tiens, je vais vous le mettre aussi. Test accélération de 0 à km/h jusque plein pot débridé sur route fermée. 3, 2, 1. On voit que ça va chercher les 25 assez vite. Je vous cache pas que là, je pédalais un petit peu. Jusqu'à 35, on arrive à garder un braquet assez sympa. De 35 à 42, compteur. Là, on commence à mouliner. Mais vous voyez qu'on a une vitesse compteur à 41-42 km/h. Là, je ne sais pas combien vous avez en vitesse GPS, mais on a une très belle sensation de vitesse. Hein. C'est vraiment top. La vraie vitesse max agréable en mode débridé avec les 7 vitesses qu'on a, c'est 37 km/h. À 37 km/h, vous avez un moulinage qui est agréable. Vous avez l'assistance moteur qui est très, très bien. Et on se pose. Et franchement, on a une belle inertie à cette vitesse-là. Moi, comme je dis souvent, j'ai l'impression que le cerveau déjauge et on se sent partir pour une bonne grosse balade. Ah oui, d'ailleurs, l'autonomie. Si vous faites les gros cochons de la mort en mode débridé sur route fermée, l'autonomie, ça va être 34-35 km. Je vous rappelle qu'on est sur une batterie amovible, qu'on est en 48 volts, qu'on a vraiment une belle puissance. Et du coup, je crois qu'on a tout fait, donc on va passer au bilan. Mais si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Bilan, j'aime bien démarrer par des choses négatives. Et le petit point négatif, c'est que quand on roule en mode fainéant au bout de 30 bornes, comme on est vraiment assis que sur les fesses et qu'on pédale pas, on commence à avoir le cul qui chauffe un petit peu. Maintenant, il y a aussi le petit accélérateur qui est désactivé parce que le vélo est vendu en mode France. Je vous ai pas dit, mais ça va être dans les points positifs, on peut rajouter un petit code de déverrouillage et d'allumage. Le petit point positif ou négatif, c'est vous qui voyez, c'est qu'on est obligé d'avoir la clé pour activer et pour allumer le bike. Dans les points forts, on a une super assise. Hein. Franchement, on est là assis sur un espèce de chopper vélo-ville entre les deux. Ce que j'aime beaucoup, c'est son mini look, mini long tail. Pourquoi ? Parce qu'on a à l'arrière un porte-paquet assez bas sur lequel moi je vais rajouter la petite selle qui va bien avec le dossier. Les petits repose-pieds ici, côté moteur, eh bien, il faudra que je mette un petit coup de disqueuse. Mais du coup, on va pouvoir s'asseoir là à l'arrière et emmener la gamine à l'école. Et ça, c'est vraiment très cool. Le gros point fort, c'est qu'on nous annonce un moteur de 250 watts. Clairement, même visuellement, on dirait un moteur de 500 watts. Et quand on le conduit, on dirait aussi un moteur de 500 watts. Hein. Franchement, ça pousse bien. Vous l'avez vu tout à l'heure dans le test monté. Moi, je vous assure qu'on sent bien qu'il ne s'essouffle pas. Hein. Il a une allonge de 5 km/h à 35-40 km/h. Même dans les montées très longues, il m'emmenait à 35-38-40 km/h sans aucun problème. J'adore le blanc. Il me semble bien solide. La peinture, elle est top. Le blanc brillant comme ça, c'est pas trop salissant. Vous savez, hein, je vous l'ai dit, on a d'autres coloris. Vous me direz d'ailleurs en commentaire lequel est votre préféré. Et puis voilà, les petites poignées semi-ergonomiques. Ici, on a même un petit caoutchouc sur les freins qui permet de bien les saisir. Ça glisse pas, c'est top, c'est bien réalisé. C'était ma présentation du Ingui L20 que j'ai trouvé sur le site de Geekbwing. D'ailleurs, je les salue et je les remercie de m'avoir mis à disposition ce bike en parfait état et si fun à rouler. Il était à 1545 euros, mais il est en ce moment à 1199 euros, avec une grosse batterie 624. Hein, chez certaines marques, on appelle ça du long range. C'est des longues autonomies parce que les petites batteries en général, on est toujours aux alentours des 300-400 watt-heure. Là, on en a plus de 600 et franchement, c'est top. On est en 48 volts, donc on a une belle nervosité. On a un vélo bien fini, bien optionné d'origine. Et je vous mettrai le lien de ce bike en description et dans le premier commentaire. Allez me check ça.
Vous irez voir de toute façon sur le site de Geekbuing, il y a tellement de pépites, vous n'êtes pas prêts. D'ailleurs, en parlant de pépites, je vous présente très bientôt un nouveau déballage de carton et vous allez vous régaler. Alors, vous faites quoi? Eh bien, vous foncez vous abonner, vous activez la petite cloche. Moi, je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite surtout de bons rides.